les œuvres de Barbac entre tes seins. Tout de suite, nous avons avec nous Eric Chilakov. Bonjour. Oui, bonjour Laurie, merci d'avoir invité. Pas de rien, on est là avec Sam pour parler ensemble parce que sinon. Non, je rigole. On est là pour parler de votre livre Superbac qui est sorti au mois d'août. Oui, c'est ça, début septembre. On va dire. Début septembre, parce que j'ai vu au mois d'août, moi. Et Superbrat, parce que j'ai compris, excuse-moi, parce que j'ai compris, Superbrat, c'est-à-dire super morbeux, c'est ça? C'est pas ça qui a été traité C'est exactement ça, en fait, l'origine du titre, c'est le surnom que la presse anglaise, la presse tabloïde, le seul en l'occurrence, a donné en 1979, donc ça date pas d'hier, à John McEnroe, qui était vraiment un affreux joueur et qui bousculait l'établishment à son époque. Il secouait bien l'affaire et le sien l'a traité donc de super brat, ce qui veut dire super morveux littéralement. Quoi. Et super brat parce que j'ai un super morveux qui est dans les pages de mon bouquin. Qui est très violent apparemment. Lui, Vlad, c'est ça? Oui, Vlad Vladimir Antonovitch, qui est le personnage principal, qui est par ailleurs entraîneur de basket sur le déclin, une ancienne gloire locale. C'est un peu être et avoir été. Et il se débat à travers des problèmes à la fois personnels, familiaux, professionnels, affectifs. Et il part sur le roman, en fait, c'est une chronique sur 10 ans d'affrontement entre donc, Vlad et Pipo, qui est le fameux super brat qui va lui pourrir la vie pendant 10 ans. Et l'intérêt, enfin, pour moi, c'est que Vlad est donc au début du livre, dans les années 90, et à peu près 48 ans, et Pipo est un enfant de 7 ans. Et des paroles, évidemment, les rapports de force, vous imaginez, sont un peu disproportionnés. Et comme le roman court sur 10 ans, en fait, on va assister au déclin de Vlad et à l'ascension de Pipo et le rapport de force, on peut imaginer qu'il va s'inverser au bout du compte. D'accord. Du coup, je suis contente de savoir ce que ça veut dire, super brat, parce que du coup, avec l'ambiance de Vlad, un peu pays de l'Est, et puis bah, étant d'origine polonaise, brat, ça veut dire frère, donc ça va être une histoire de frère, en fait. Et en fait, c'est une histoire de... C'est surtout une histoire de mauvais génie, quelque part, de fou frère, si on peut dire. Ouais, sur fond de basket. Voilà, ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est sur fond de basket, et en fait, il n'y a pas besoin d'être basketteur, ni d'avoir été entraîneur, ni pratiquer le basket pour apprécier le roman, absolument. C'est le fond de l'histoire. Pour vous dire, j'ai été aussi entraîneur de basket à une époque, donc ça facilite les choses. Je n'écris pas forcément sur les expériences que j'ai connues, hein, mais bon. En l'occurrence, ça facilite un peu les choses. C'est une fiction. Ouais. On trouve quand même des éléments dans des événements sur lesquels vous êtes inspiré dans le passé, en fait, sur lesquels vous êtes inspiré pour écrire. Ouais, absolument. Mais, ben, je parle beaucoup, enfin, je commence surtout souvent à partir d'une anecdote, et après je la prolonge à travers une histoire. Et puis, qui est ma histoire, évidemment, il y a des anecdotes, mais soit les transfigurer, les exagérer, les modifier, ou leur donner un tour que j'aurais aimé qu'elles prennent à l'époque. Donc ça, c'est l'intérêt d'écrire, c'est qu'on fait la vie comme on veut. Et en l'occurrence, oui, j'ai utilisé quelques anecdotes que j'ai mêlées, qui sont inscrites à l'intérieur du récit. Et alors, c'est votre troisième roman? C'est mon troisième roman. Pour tout dire, j'ai commencé par... J'écris avant, depuis assez longtemps, des nouvelles. Et j'ai, en 2006, j'ai écrit un roman qui s'intitule Fort Poussière. Donc c'était un roman jeunesse qui était au départ inspiré par mes propres filles. Je voulais recréer un roman qui soit un peu différent de ce qu'elles lisaient à l'époque. C'était très héroïque fantasy. Je voulais leur montrer qu'à travers. On pouvait avoir un récit d'aventure sans super pouvoir. On s'est parlé aussi de pas mal de fraternité. Et puis, par la suite, j'ai écrit, non pas un roman, mais un recueil de nouvelles, qui s'intitule Topo, ou sous-titre Récit de neige, et là, qui est dans le... avec ce qu'ils ont donné comme toile de fond.
Donc, il s'agit de nouvelles, mais c'est vrai qu'on peut aussi... Enfin, moi, je considère aussi ça comme un roman, dans la mesure où les nouvelles s'imbriquent les unes des autres. Et donc, c'était un roman que j'ai auto-édité, pour le coup, parce que c'est assez court, un petit peu anecdotique. Hein. Bon, ça se lit bien. J'en ai encore quelques dans la maison. Mais c'était pas compliqué de justement, d'éditer les nouvelles, parce que j'ai pas un petit projet, parce que ça redevient à la mode. Mais c'est assez complexe à éditer. Alors, moi, je pense que c'était un jour pas évident à faire apprécier par les éditeurs. Je pense qu'une fois qu'on est dans la place, dans les maisons d'édition, c'est peut-être possible d'imposer quelque chose. En l'occurrence, Topo, c'est un roman de 118 pages, donc c'était un petit peu court. Mm-hmm. Et il aurait fallu que je le meuble avec d'autres nouvelles. D'ailleurs, ce n'est pas dit que je ne le fasse pas un jour, hein, parce que j'ai encore d'autres choses en réserve, en tête absolument, mais le présenter sous forme de recueil de nouvelles pures, c'est pas très vendeur, je pense. Alors que là, pour moi, enfin, moi je considère quasiment comme un roman. Donc, Oui, alors Super Brat, vous avez combien de temps pour l'écrire? Alors Super Brat, comme dirait un autre, un certain temps. un temps assez long, j'ai dû mettre plus d'un an pour l'écrire. Bon, déjà, j'écris lentement, et puis je ne me consacre pas uniquement à l'écriture, et j'écris de manière un peu chaotique. Donc, il y a des jours où je fais rien, j'écris pas là, et d'autres, ça sort l'après-midi, le soir, n'importe quand. Et je galère un peu, à vrai dire. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la finalité du roman, c'est pouvoir le lire, c'est d'être mon propre lecteur. Hein. Et quel est votre méthode, justement, d'écriture, pour ceux qui... Alors, déjà j'écris parce que j'ai quelque chose à dire. Et donc écrire pour écrire en disant je vais écrire une histoire, j'ai une vague idée, ça, à mon avis ça ne fonctionne pas. J'écris, je pars souvent d'un fait anecdotique, d'une impression, d'une réflexion, d'un coup de gueule ou quelque chose comme ça. Et après je déroule la pelote. Et donc j'écris un plan. Et après, il s'agit de, pas de combler les cases, mais de suivre le plan ou pas, d'ailleurs, au fur et à mesure. C'est vrai qu'une fois qu'on est dans le livre, après, c'est aussi lui qui guide l'écriture. Mais j'ai pas de méthode particulière. Je m'astreins pas à une discipline. Je suis pas très discipliné, donc je m'astreins à aucune discipline. Je me dis simplement que si ça dure trop longtemps, après on perd un peu le fil. Mm-hmm. Mais oui, je fonctionne, je prends des notes. Et après, j'essaye, comme je vous le disais, je travaille de manière très chaotique. Donc, l'écriture, ça permet d'organiser mon chaos. Si vous voulez, le chaos, c'est l'inspiration. Et puis après, il s'agit de bosser, quoi, à partir de là. Et c'est peut-être le plus difficile. Hein. Donc, non, je n'ai pas de méthode particulière. Ce que je pense surtout, c'est que pour écrire un roman, en l'occurrence, une fiction qui puisse intéresser des lecteurs, et déjà soi-même en tant que propre lecteur, il faut partir sur quelque chose d'assez étayé. On ne peut pas partir sur une idée en disant je vais la développer. Je pense que c'est difficile. C'est autre chose, c'est une nouvelle ou un poème, mais sur un roman, ça demande une réflexion en amont quand même. Et une fois qu'on a un petit peu cette réflexion, et son plan, après je pense que on peut y aller, hein. Bon, chacun après il a le talent qu'il peut. Hein. Moi je voulais savoir si dans la vraie vie vous racontez beaucoup d'histoires. J'en ai raconté beaucoup à mes enfants. Mais c'était assez fatigant, hein. Je devais raconter une histoire de couleur sauvage, je me souviens bien tous les soirs. Est-ce que vous deviez vraiment ou vous aimiez bien vous y coller? Ah oui, non, mais je comprends bien ça, c'est justement le fait d'écrire, ça permet de finaliser ça, quoi. L'imagination, c'est pas un gros mot, hein, franchement. Et je pense que là, beaucoup d'auteurs donnent dans l'autofiction, et là, je suis pas du tout là-dedans. Moi, je suis encore dans la création, dans l'imaginaire, absolument, créer sa propre vie, ou en tout cas créer notre vie. Il pas mal, absolument, vous assumez en tout cas ce côté-là, parce que oui, non, mais c'est vrai que c'est. Je
pense qu'il y a une question de pudeur ou d'intimité. On se dit oui, oh non, je peux pas révéler ça, j'ai toujours voulu être une princesse ou une actrice ou une chanteuse. Et on se dit, on essaye de. La société nous résonne beaucoup. Enfin, oui, mais quand même, nous permet d'être une chanteuse si, sans le faire. Ça, c'est mal. Donc, je peux chanter sans problème. Faire les os, c'est moi, hein, c'est vous. Mais. Ça permettait le papier par exemple coucher toutes les vies possibles, imaginez. Absolument. Là, je voulais vous parler de pudeur. Alors, il y a toujours, enfin, moi, j'ai du mal à m'accrocher d'une certaine pudeur malgré tout, parce qu'on est quand même impliqué dans son écriture. D'accord. Peut-être que pour certains, il arrive parfaitement. C'est pas non plus une catharsis, on ne se lâche pas complètement. Enfin, en tout cas, pour mon cas, c'est pas ce que je fais. Mais c'est vrai que ça permet d'aller sur d'autres chemins. Et ça, c'est intéressant. Mmh. Et si vous en savez un peu plus sur vous, vous avez le site qui est www.leuchi.fr. Absolument, c'est mon côté chinois. Et alors j'ai vu, vous chez sur votre site, j'ai vu qu'il y avait aussi des lectures que vous avez aimées, vous avez plusieurs choses. Oui, j'ai mis alors mon pied, c'est un site ou un blog, oui. Des avis sur des lectures, et c'est vrai que j'ai supprimé, c'est intéressant que vous m'en parliez, parce que j'ai vu aussi des avis négatifs, parce qu'on n'aime pas tout, hein. D'ailleurs vous ne faites pas l'unanimité, et c'est toujours intéressant. Et puis en tant qu'écrivain, je pensais que d'un point de vue éthique, c'était difficile pour moi de critiquer, de casser, de flinguer des bouquins que j'avais vraiment pas aimés en étant moi-même auteur. Donc globalement, ce que je fais, c'est que maintenant, je ne mets en gros que ce que j'aime. C'est plus productif, c'est-à-dire que vous conseillez aux gens qui aiment. Oui. En plus, c'est leur déconseiller, hein, mais. Oui, mais après, moi, je pense que la lecture, enfin, j'ai ce problème-là, je n'arrive pas à choisir des livres si on ne me les conseille pas. C'est très compliqué et je pense que je ne suis pas la seule. Et pour le coup, voilà, un auteur qu'on aime bien, vous conseillez certains livres, bah, vous allez. C'est une telle idée, oui. Et puis, bon, c'est vrai que je marche aussi à l'affectif, hein, donc oui. c'est un affectif. Donc, je marche au coup de cœur. Là, il y a le dernier bouquin, notamment de Toni Morrison, qui s'appelle Home. Qui est vraiment un bouquin, enfin, pour moi c'est une révélation de cette année. Bon, c'est pas forcément, je ne lis pas tout, hein, parce que je passe tout mon temps à écrire et à lire, mais c'est vraiment, voilà, ça me plaît de donner mon avis sur ces coups de cœur-là. Mais je pense qu'il faut que vous passiez une lumière, en tout cas j'aimerais bien vous faire une lumière. Avec plaisir. Donc, super brave, on conseille aux gens d'aller acheter, c'est aux éditions Arsens. Arsens, voilà, c'est un petit éditeur parisien, mais. Il est disponible, alors, je ne sais pas si on peut dire, il est disponible sur Grenoble, on peut l'avoir sur commande, sur toutes les librairies, mais je sais qu'il est disponible chez Artaud et chez De Sitte. Et je devrais avoir d'ailleurs une signature chez Artaud, comme on dit, séance dédicace le 12 janvier, donc c'est un peu loin. Et donc, moi je conseille aux éditeurs d'acheter ce livre pour pouvoir servir Richie Jacob, de voir, il n'a pas envie de continuer et de pouvoir continuer. Ah, c'est motivant. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt.